On se retrouve dans une nouvelle vidéo, chasse aux fournitures chez Jiffy. Alors je vais vous traduire, c'est chasse aux fournitures chez Jiffy. C'est vrai qu'elle est difficile à dire. C'est bon, hein. Avant de commencer la vidéo, si c'est toujours pas fait, on vous invite à vous abonner, à liker, à partager. Alors si les commentaires sont ouverts, à commenter. Voilà, et c'est parti pour la suite de la vidéo. Let's go. Alors comme vous l'a expliqué Sindel, on fait une chasse aux fournitures remake puisque du coup on a déménagé, on n'est plus à Brest, est-ce qu'on est à Toulon. Et donc du coup on change d'école, forcément on change de maison, on change d'école. Donc c'est parti, on va faire les fournitures scolaires dans Jiffy. Allez, on y va. Let's go. Je la suis. Oh, bon alors Sindel, on commence pas les emplettes comme ça, hein. Sindel a commencé déjà à voir tout ça. On va faire la chasse, Sindel, c'est parti. Pour nous accompagner sur cette chasse, il y a Inola. Bonjour. Ça va? T'es motivée toi aussi? Ouais, ok. Bon, Sindel, on te laisse là, on va faire la chasse, nous. Regardez tout ce qu'on a ici. Waouh. Bon, on y va? Allez, c'est parti. On cherche. Les jouets, là aussi, on a des jouets, mais c'est pas vraiment là, hein, les verres scolaires. Ah, Inola a vu un rayon. Qu'est-ce que t'as vu? Oh là là là. C'est pas de ta chasse aux fournitures. Si jamais vos enfants se lèvent pas le matin, vous montez ça, un peu les oreilles. C'est de la torture ça. Fais gaffe toi. On arrive ici dans un rayon papeterie. C'est pas encore forcément les trucs. Qu'est-ce que t'as repéré toi ici? Plein de feutres. Alors ça c'est quoi? Feutres à pompons. Ils sont super mignons. Est-ce qu'ils font quelque chose en particulier? Bah oui, coloris. Il y en... Ouais, voilà, c'est déjà pas mal. Il y en a 50, c'est... Il y a des feutres à pompons pour utiliser. D'accord, et ils sont à combien? Il n'y a pas le prix. Ok, bon, on va voir, on va continuer à fouiller un petit peu. Là, on a des pots à crayons en forme de Lego. Il y a des ciseaux aussi, maman. Il y a des ciseaux? Non, ça, c'est des ciseaux... loisirs créatifs, c'est pas pareil. Là, on a. C'est pas encore ça. On a plein de choses, on a des crayons. Ouais, des crayons de bois. Ouais, des crayons gris, ouais. On a des crayons gris arc-en-ciel aussi. Il y a des hologrammes arc-en-ciel aussi. Cela te plaise? C'est un moment. Sindel, c'est pas des fournitures scolaires ça. Qu'est-ce que tu regardes? C'est des coussins ça. Bah non, on s'en fiche pas. Fournitures scolaires. Je suis désolée, c'est pas des fournitures scolaires, les coussins à 5,99€, non. Puis on fait la moitié. Non, on fait pas la moitié. Si. Allez, c'est fournitures scolaires. Si. Non, allez, maintenant tu viens. Allez, de toute façon, moi je m'en vais. Oh. Hop. Bon, allez, nous on continue. Hein. Hop. Quoi? Ah non mais Sindel, là t'arrêtes pas là, t'arrêtes pas de t'arrêter à des choses qui ne correspondent pas. Non, c'est des bêtises ça. C'est complètement idiot, ça c'est des jouets, c'est pas pour la nouvelle école ça. Ah je suis pas d'accord là. Oh, trop sûr, regarde. Bah non, c'est pareil Sindel, je suis pas d'accord, c'est pas des fournitures. Non, je t'ai dit non, c'est tout. Allez, trace. Bon moi je vais au rayon. Sindel, ça commence à bien faire. Ça fait 2 heures que je te cherche dans tout le magasin et à chaque fois je te retrouve dans des rayons de jouets, dans des rayons de peluches. Ça commence vraiment à me saouler là. Vraiment. Et toi, tu peux pas lui dire, non? Oh, c'est pas vrai. Sindel, il y a encore toutes les affaires. Tu vas aller sans fourniture, Sindel. Hein. Je m'en fiche. Tu t'en fiches? Ouais. Je ne crois pas ça. J'en ai déjà quelque chose dans ma trousse. Ah, Gaïa, elle a horreur de ça. Franchement, les gens, je sais plus quoi faire. Bon, je suis partie de Jiffy, sincèrement, parce que les deux filles me gonflent, elles font ce qu'elles veulent. Je cherche les fournitures scolaires et je suis toute seule à les chercher, donc bah finalement je suis partie, je leur ai laissé la carte bleue et puis on verra bien à la maison ce qu'elles ont pris en fournitures scolaires. J'espère qu'elles n'ont pas pris de bêtises et que je peux leur faire confiance. Voilà, donc on se retrouve à la maison. Nous voilà de retour à la maison. Enfin. Ouais, enfin. Donc je t'ai laissé avec... Je t'ai laissé avec ta sœur. Hein. Donc alors... Petite parenthèse pour ceux qui reconnaissent, qui nous ont suivis, voilà, nous sommes dans la maison de vacances. Nous avons redéménagé sur Toulon
Et nous vivons maintenant sur Toulon, nous ne sommes plus en Bretagne, donc là on est hébergé chez les grands-parents, le temps d'avoir notre appartement et que nos affaires arrivent à Toulon, voilà, parce que c'est des managers qui les ont encore. Hop, on va tourner la caméra. Donc nous voilà. Coucou. On va déballer tout ça et puis je vais découvrir avec vous les affaires scolaires que Sindel a pris avec sa sœur. Vu la tête, je m'attends au pire, mais bon, allez, je fais confiance, je fais confiance. Est-ce que j'ai tort ou non de faire confiance? On va voir. Tu prends le sac, Jiffy, puis on va voir. Allez, Sindel récupère le sac. T'as qu'à te mettre là. Alors. Montre-moi déjà, je vois de mon œil sournois un gros sac avec des trucs qui m'ont pas l'air du tout d'être scolaires. Et on va voir. Allez, c'est parti. Voilà qui nous rejoint. Salut. Voilà, qu'est-ce que tu as avec ça? Alors toi, qu'est-ce que tu as pris à Jiffy? Normalement, on était censé prendre des affaires scolaires. Donc je vois que Enola arrive déjà avec un truc qui m'a pas l'air d'être scolaire du tout. Ah oh bah si. Ah bah si, on peut s'en servir pour la scolarité, je suis désolée. Ouais. Un fichier audio par exemple. C'est quoi? Une petite enceinte HomePay. Voilà, le son est très bon, j'ai déjà testé. Elle est sympa. Voilà. Donc voilà. Il y a le chargeur dedans. Et ça a coûté combien ça? C'est Bluetooth? Oui. D'accord, et ça a coûté combien? 7 euros je crois. 7 euros. Voilà, bon, alors on commence par le premier produit, pas du tout scolaire du tout. Il y a Yaya qui se joint à beaucoup nous. Beaucoup de bruit pour une petite chaîne. Donc voilà pour le premier produit. Super. Bon. Alors je ne valide pas du tout, du tout. Hein. Vas-y, allez. Allez, alors, je vais tourner. Au pif. Ouais, au pif. Bon, excusez le bazar. Hein. C'est très scolaire. Tu te fous de moi là? Si, si. C'est non, mais là, tu te fous de moi. T'as gardé le ticket de caisse? Ah bah garde les tickets, yes. Je rêve. Donc c'est quoi ton truc là? Un coussin? Ouais, un coussin. Et il faut mettre des piles. Et ça va te servir à quoi ça à l'école? Tu vas dormir sur le bureau? Ouais. Donc ça fait deux produits que je vois. Et donc là bah, je valide pas du tout non plus hein. On valide pas. Donc je valide pas. Et elles ont pas gardé le ticket, yes. Et en plus c'est le sort. Ah d'accord, voilà. Ça change de couleur? Oui, ça change ouais. De couleur. Ah ouais, attends. J'ai le droit de me pendre. Là, comme ça, là, oui. Ok, deuxième produit. Produit, pardon, vas-y. Je vais même pas voir. Allez, pouf, tout ça. Bah voilà. C'est quoi ça? Des gommes. Des gommes? Oui, ah, alors tu vois. Ah, elles sont jolies, ça c'est bien, je valide. Tu vois qu'on n'a pas tout pris un machin, hein? Ouais, des gommes fantasy. Avec la tour Eiffel. Je valide, un produit. Hein? Rien, rien. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle magouille des trucs derrière mon dos là. Ça me plaît pas du tout. Allez, vas-y, continue. C'est quoi? Je vois pas sur la caméra. Je crois qu'en fin de compte, j'aurais dû rester dans le magasin. Bon, allez, montre-nous. C'est un petit chien, il s'appelle. C'est une peluche ti, c'est ça? Il s'appelle Duc. Duc? Duc le Saint-Bernard. Allez, voilà. Il a un nom et son anniversaire, c'est le. Non, c'est le 20 mai et il s'appelle Duck. D'accord, Duck comme les canards. Donc voilà. Le troisième produit que je valide pas du tout. Quand même, il est mignon. Hein. Tu peux mettre la moitié d'une étoile. Hein. Il est mignon. Non, j'y mets rien du tout. Et on continue. Je suis pas au bout de mes surprises, je le sens. Ah, si, c'est quoi ça? Bien, 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 bien. Un stylo pilote. Un stylo pilote. C'est quoi les pilotes? C'est la marque pilote. Ouais. Donc effaçable, ça, je valide. Par contre, ça, j'adore ces stylos. Je... À l'école, avec tout le monde qui avait ça. Bah toi aussi. Sauf que la maîtresse de Brest empêchait Sindel d'écrire avec ça. Ouais, pourquoi c'est normal quoi. Voilà. C'est pas assez bien, non. Ouais, c'est pas assez bien. Alors que c'était demandé dans la liste, hein. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Ensuite. Bah ensuite. Ah si, on a gardé le ticket de caisse. Ah, je vais pouvoir tout changer. Je vais pouvoir tout ramener et prendre que bah, des affaires scolaires. Regarde, je peux regarder hein. Donc il y a quoi d'autre dedans? Que je rassemble tout. Alors du coup il y a trois produits que je valide pas et deux produits que je valide pour l'instant. Ensuite. C'est quoi ça? Des chocolats entamés, ça a été mangé dans la voiture, à ce que je vois, super. Des nounours en chocolat,
Donc forcément, je valide pas. D'ailleurs, elle a tout pris. Ok. Elle a tout pris. Des bonbons encore. En plus, ça, j'ai horreur de ça, de prendre des bonbons et des chocolats comme ça. J'ai horreur de ça. Je trouve ça trop, trop dégueu. Voilà. Ça, c'est, je valide pas non plus. Des Togolo. Des bonbons, encore des bonbons. Mais c'est pas vrai, vous avez fait la razzia. Des cannes à sucre, ouais. Des trucs bien chimiques, bien dégueux. Pour l'instant, il y a deux produits pour l'école là. Elle va faire ses cours avec des gommes et un stylo. C'est un câble, ouais, c'est. Oui, un... c'est mon câble, et celui-là je le garde pour moi. Parce que je peux jamais chercher ma, ma tablette tranquille. À chaque fois ça marche pas, du coup je le garde pour moi celui-là. T'es gentil, mais je le garde pour moi. D'accord, m'en fous. Attends, parce que c'est froid, je l'enlève de là, c'est froid. Bon, bah un câble que je valide pas non plus, mais comme c'est pour la tablette, ça peut servir. Ah, c'était bien ça. Ça c'est très bien ça, c'est très bien. Je valide des stylos Bic vert et rouge, je valide. Bon, vous les voyez flous, hein, mais c'est pas très grave, on s'en fout. Voilà, donc ça c'est bien ma fille, c'est très bien. Très bien, très bien, très bien. Ensuite. Bah ensuite, il n'y a plus rien. C'est tout ? Il n'y a plus rien. Ah si, t'as quelque chose. Ah, il y a quelque chose. Je crois que c'est une bêtise. C'est quoi ça? C'est des chocolats ça, vous avez mangé des trucs. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Ça c'est l'emballage des Reese ça. Vous avez mangé. Ta soeur a acheté des Reese, des chocolats au beurre de cacahuète. Et elle les a tous mangés. Mmh. Elle m'en a même pas laissé un. Bon bah voilà. C'est fini. Retour de course. Non, il faut qu'on les. Qu'on les quoi? Donc au total. Non, les trucs classe. J'avoue il est classe. Mais au total, la chasse aux fournitures scolaires se transforme en n'importe quoi. Donc un nuage multicolore, un câble USB pour la tablette, des cannes à sucre, des bonbons, des chocolats. Regarde, c'est ouvert. Un chien en peluche, comme s'il n'y avait pas assez de peluche. Non, on en a pas assez. Voilà, et des gommes. Ok. Des stylos publics et un... Voilà, bon, bah écoutez, et plus l'enceinte d'Enola. Comment dire, je suis un peu dégoûtée. Voilà, donc on est allé chez Jiffy exprès pour ça, parce que j'avais envie d'aller chez Jiffy. Cindel aussi, elle adore ce magasin. Et il y a toujours plein de trucs pas chers, et à chaque fois c'est le piège. Donc bon, bah voilà quoi. Regarde, ça c'est pratique, tu peux... Non, tu mais peux... cherche pas. Elle essaie de rattraper le coup, là. Ouais, tu ouais, peux chasser les moustiques comme ça, hop, hop. D'accord, c'est ça. Ouais. Ça, c'est des machins, non mais... Bon, c'est la fin de cette vidéo, parce que là, c'est pas n'importe quoi. Moi, je vous dis à très bientôt, je fais des gros bisous. Qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre? Likez, partagez, commentez, et surtout, abonnez-vous. Avec son air innocent, là. Moi, je suis très innocent. Crapulette. Je fais des gros bisous, à bientôt, ciao, ciao. Gros bisous, ciao ciao. Montre ton gros nez. Et dites en commentaire que ça vous a plu. Hein. Elle et a que... toujours pas compris qu'il y avait plus de commentaires. Ciao. Gros bisous, ciao ciao. Montre ton gros nez. Et dites en commentaire que ça vous a plu. Hein. Elle et a toujours pas compris qu'il y avait plus de commentaires. Ouais, c'est bon.